Thank you, Governor. Laissons la dignité aux gens. Et simplement pour préciser, la ville de Springfield, en Ohio, a beaucoup d'immigrants haïtiens qui sont légaux au pays. Ils ont le statut d'immigrant. Nous allons maintenant parler de l'économie. Nous allons parler de l'économie. Et puisque vous corrigez les faits que j'avance, je dois dire ceci. Il y a une application qui s'appelle le CPP Point App, où vous pouvez, en tant qu'immigrant illégal, vous pouvez obtenir, grâce à cette procédure, le statut d'immigrant légal. C'est ce que Kamala Harris a donné à ces gens. Et vous obtenez ensuite votre carte verte avec le droit de travailler aux États-Unis. C'est Kamala Harris qui a ouvert les frontières. Ces lois sont là depuis 1990. C'est quelque chose que Kamala Harris a créé. Les spectateurs ne peuvent vous entendre, vos micros sont coupés. Il y a beaucoup d'autres sujets que nous devons aborder. Merci d'avoir expliqué ces processus légaux.